à tous, c'est Yé et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough sur Just Cause 3, donc épisode 7. Donc là nous sommes chez Mario si je dis pas de bêtises. Et donc on avait la dernière fois on avait fait on va dire toutes les activités un peu particulières comme les courses de voiture et ainsi de suite. Entre temps, je suis allé récupérer 2-3 objets, on va dire, secondaires dans la zone en bleu. J'ai récupéré des voitures pour les amener au garage de Mario pour que dans les livraisons rebelles, elles apparaissent. C'est-à-dire que si on va voir dans les véhicules, vous allez voir, voitures vintage, bah, j'en ai récupéré quelques-unes. Moto, je suis pas sûr de... Ah si, mais il y a le scooter. Dans les voitures modernes, voilà, récupérer quelques voitures de sport quand même aussi. Véhicule utilitaire, ouais, j'en ai pas encore. Hop, et ça par contre je les ai déjà de base, les véhicules militaires. Les véhicules aquatiques pareil, j'en ai pas encore récupéré. Mais voilà, je me suis amusé à piquer un peu toutes les voitures que je voyais dans le coin pour tout simplement aller... pour les avoir lors de disponibles lors des livraisons. Donc maintenant, on va sur la carte et on doit aller tout simplement ici. Donc, pour ce faire, va falloir trouver un bateau. Donc on va tenter d'aller au niveau du rivage. Alors, j'espère qu'il y aura quand même des bateaux au niveau du rivage, sinon j'aurais l'air bête. Eh, hey, pousse-toi mamie. J'ai pas le temps moi. Comme vous pouvez le voir, je me suis vachement amélioré sur la conduite, hein. Bateau dans le coin là. J'ai pas de bateau, c'est ça le problème. Il va y avoir un petit port, je sais pas. Bon, là-bas, il y a un ponton. Voilà. Tac, c'est comme ça qu'on arrive. Ne vous inquiétez pas, c'est que moi. Je ne fais que passer, les gars. Vas-y, ma voiture, tu peux passer. Voilà. Tac. Je la gare ici, comme ça. Si je reviens ici, je sais que j'ai une voiture qui m'attend. Maintenant, un bateau. Ici. On attaque la cible. À toutes les unités, rejoignez les coordonnées suivantes. Je me disais bien que... Je vais pas devoir faire mieux que ça.
Bon, et eh ben on commence tranquillement par une gentille petite mort, voilà. Je me disais bien, ça a l'air d'être un véhicule militaire, mais c'est pas grave, ils ont... Pour l'instant, ils ont pas bougé alors que je suis un peu descendu n'importe comment avec ma voiture. Hein. Mais bon, un peu n'importe comment. Hein. C'est quand même un peu propre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et là, bizarrement, c'est... C'était pas conseillé, quoi. Alors... Où est-ce qu'ils m'ont mis? Tech. Alors forcément, il fallait bien que en wingsuit, je me bouffe. Est-ce que je vais réussir à l'avoir ce bateau? Revenez par là! Oh! Putain, mais il me fuit en fait! C'est pas possible! S'il vous plaît, je cherche un bateau. Toi, tu viens dans ma direction, c'est cool. Ma foi, elle est bonne. Voilà. Bon. On est parti. En plus, j'ai de la chance, je suis tombé sur un bateau qui apparemment a l'air bien bien puissant. La vague, tech. Ils le savent pas encore, mais quand je vais arriver, ça va être le gros gros bordel. Moi, j'ai pas le temps. Voilà, bon. Le bateau qui me coinçait. Alors là. Tech. Prochaine fois, calme-toi un peu sur la tâche. Des renforts. Des renforts ennemis signalés dans la zone. Appel à toutes les unités. Bien reçu. Renfort en approche. Alors toi, d'où tu me tires dessus? Localisez le rebelle immédiatement.
laissez pas s'échapper. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un feu d'artifice. Tech. Cible en fuite. Rétablissez le contact visuel immédiatement. Allez, moi je tire partout, bon, j'en ai rien à foutre. Tac, encore un coup du joueur cagoué et tout ça. Je vous le dis. Hey, pom pom pom. On dégage. Voilà. Petite grenade et il n'y a plus personne. Alors là, ça a mal. Des forces terrestres en renfort sur votre position immédiatement. Des renforts. Troupes supplémentaires en approche. Activation du protocole de recherche. Trouvez la cible le plus vite possible. Maintenant, où est-ce que je vais pouvoir aller? Parce que j'ai encore des choses à péter là. J'ai quoi à péter? J'ai encore deux haut-parleurs et trois panneaux. Tech, 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 tech. Alors, où sont les panneaux et les haut-parleurs? Trouvez le rebelle, pourchassez-le sans relâche. C'est tout? Putain, il se fout de ma gueule là. Voilà, il y a un moment où si le câble, le grappin veut pas faire le boulot, moi je le fais avec les flingues. Hein. C'est pas un souci. Cible perdue. Oh,
pouvez jouer à ça, les gars? Est-ce que vous voulez vraiment jouer à ça? Bon, maintenant j'ai 3 affiches à trouver, quoi. Le truc le moins intéressant à péter. Missile centrale, la cible est toujours en cavale. Trouvez-la. Les affiches, où sont-elles? Ici. Bim. Je crois que là... Fin de la recherche. Retournez à vos postes. Il reste combien? Il doit rester 2 affiches, du coup. Si mes calculs sont bons, hein. Ça, c'est encore à vérifier. Et là, du coup, vous voyez un symbole apparaître au milieu, en bas, au centre de mon écran. Et en fait, il m'indique qu'il y a un objet particulier à proximité. Et normalement, ils apparaissent sur la, leur emplacement apparaît sur la map quand vous avez libéré toute une zone, si j'ai bien compris. Et donc là, notamment, c'est l'enregistrement. Jour 19. Les autres zones de mon peloton sont aussi faibles qu'ils sont bons à rien. Ils sont déjà brisés sous le poids de leur matériel et du manque de sommeil. De mon côté, je m'interdis toute expression de douleur ou de fatigue. Les hommes m'appellent déjà leur général, en plaisantant. Leur corps appartient peut-être au gouvernement, mais je me suis arrogé leur âme et leur loyauté. Du coup... Est-ce que j'ai un truc qui m'affiche où sont les... Ah si. Donc il y en a un qui serait... Par là. Ils sont sympas quand même, parce que là sinon... C'est le genre de truc où tu peux tourner en rond. On y va. Allez-y! Alerte à toutes les unités. Rétablissez le contact visuel. Tech! Second panneau de détruit. Et le troisième, il est tout simplement ici. On place notre petit point de passage. Voilà! Il y a tout le comité là. Les gars, je sais pas si vous avez vu, je suis à la sulfateuse, les gars. Envoie des renforts supplémentaires sur votre position. C'est compris. Envoie des troupes supplémentaires sur votre position. Tech, la cible est toujours en cavale. Trouvez-la. Encore du monde pour le chercher ou... Et maintenant. Alerte à toutes les unités. Rétablissez le contact visuel. Ah, tu viens de dire que lui, ok, il est foutu de chez foutu. Contact visuel perdu. Dispersez-vous et cherchez-le. Localisé. Ah.
J'aime bien cette petite sulfateuse. Modèle portatif. Les hommes se dirigent vers vous. Éliminez la cible immédiatement. Renfort en approche. Équipe au sol, tenez bon. Hop. Missile central. On envoie des renforts terrestres sur votre position. Et voilà. Regardez, la puissance d'un drapeau qui vous fait partir, fuir un... tout simplement un hélicoptère. Garage. Le garage de cette ville est désormais opérationnel. Apportez-y des véhicules civils pour vous ajouter à votre liste de livraisons rebelles possibles. Une zone sur 6 habitée libérée. Diravelo perd le contrôle de cette province. Libérez les dernières zones habitées pour la libérer entièrement. Ah ben voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode 7, voilà. Une petite libération tranquille, pépère, on a un peu tout fait péter. N'empêche, mention spéciale à la sulfateuse portative, ça c'est vraiment une très bonne idée. Très très bonne idée. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.